Bienvenue à Vélizy 2 sur le plateau de Canal+, où nous sommes nourris, logés. Si on se tient très très bien, on sera peut-être payés. On appuie vite sur le bouton, le chrono est parti. Voici le premier mot, 6 lettres, 60 francs. Oh, quelqu'un qui est vraiment, qui a envie de faire quelque chose. Et puis, grosse kilomètre par terre. Ah non, madame, je crois que vous confondez. Excusez-moi. Ah non, c'est là. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est là? Croûte. Non, c'est pas ça non plus, c'est pas ça. Ça, c'est un rapport avec Lourdes plutôt. À Lourdes. La croix. Ah, oui. C'est autre chose. Oui. Oh, c'est comme une montagne. Oui, c'est dans la montagne. C'est un trou, la lumière apparaît. Voilà, la croix. Une grotte. Ceux qui n'ont pas la couleur loupe beaucoup, car tout ça est bleu, là c'est jaune, et là c'est noir, voyez. C'est très beau. Qu'est-ce qui vous a dessiné? Moi-même. Dites-moi, chère madame, nous avons 3 minutes, vous êtes mariée, votre mari fait? Non, je suis veuve. Vous êtes mariée? Divorcée. Bon, j'ai pas de chance ce soir, qu'est-ce que ça arrive, il y a des soirs comme ça... C'est... Comment est votre prénom? Simone. Mariée? Je veuve. Je vous offre, moi, madame, du poulet pour 2000 francs. 2000 francs de poulet. J'en ai un en permanence à la maison. Elle dit j'ai un poulet en permanence à la maison. Moi aussi, j'ai des poulets chez moi, mais ça change rien. Vous vivez avec un poulet, vous madame. Vous les avez pas emballés comme ça dans du papier plastique. Elle vit avec un poulet. Ça va, la vie est... On arrive à me rendre policier. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle dit des choses, j'entends rien. Mais dites-moi tout. Mon mari est dans la police. Non, son mari dans la police. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse personnellement, moi je. Un poulet. Ah, c'est un poulet. C'est ça qu'elle voulait dire, ma chérie. Vous avez raison. Elle vit avec un poulet. Elle dit j'en ai. Alors du coup, elle a dit ça. Elle n'ose plus le regarder. Il est par là. Il est là, le mari. Enfin, faut être gentil avec elle. Hein. C'est une vanne, c'est comme ça. Faut vous décontracter. Ça va bien. C'était drôle votre truc. Elle a gagné 3000 francs depuis. Elle peut plus s'en remettre. Marie, c'est à vous. Un coup de main. 420 francs. Un panier pour faire coucouche pour les chiens. Elle est complètement malade. Mais on est obligé. Je vais vous expliquer l'histoire de ces deux sœurs. Nous ne les voulions pas, mais ce sont des filles qui ont un physique et qui couchent utile, voyez-vous. Je prends le paquet vers moi et je vous dis, vous prenez les échanges et on n'en parle plus. Ou alors je vous remets le paquet, vous laissez l'échange et vous prenez le paquet. Ou alors je prends le paquet vers moi et vous prenez les échanges. Ou alors je vous laisse le paquet. Ou alors vous prenez le paquet. Enfin, je prends le paquet. Faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, faut se décider. Hein? Attention, je vais dire à le juger. J'en ai marre, hein? Vous en avez marre de qui? Non, mais dites donc, elle manque pas d'air. Alors, ça, c'est. J'en ai marre, elle me dit, me dites donc, j'en ai marre. Attention. C'est terrible. Alors, c'est terrible. Alors, on prend les échanges, le paquet. Une fois. Les échanges, madame. 4 250, 4 500 francs. 4 500 francs, madame. 4 000. Comment alors? 4 500 francs deux fois. J'enlève 1 000 francs. Allez, je prends le paquet. Alors, on prend le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Attention, je remets 1 000 francs, monsieur. Je prends le paquet. Je mets 2 000 francs de plus. Ça fait 9 000 francs, monsieur. J'arrive à 9 000 francs, madame. 9 000 francs, monsieur. Je vais dire 10 000. Je dis 10 000. J'ai dit 10 000 francs, monsieur. 15 000 francs, monsieur. Le paquet. 15 000 francs, je dis 15 000 francs d'échange, monsieur. Attention, je vais dire stop, ça va être terminé. 15 000 francs d'à côté. Le paquet. 20 000 francs, monsieur, je veux dire 20 000 francs d'échange. Non, mais c'est terrible. Le paquet, quoi, 25 000 francs, monsieur. Le paquet. 30 000 francs d'échange, monsieur, je veux dire 30 000 francs. On arrive à 30 000 francs, on n'a jamais vu ça. Bon, voilà, mais qu'est-ce non, qu'on fait, monsieur vu, là, alors, il a dit paquet, j'ai dit 30 000 francs, j'ai dit une fois, monsieur. Ah, le paquet. Deux fois, monsieur. Bah, toujours le paquet. Trois fois. Glissez votre main dans ce paquet jaune. Ah là là. Et là, c'était oui, le magnétoscope. Eh oui. Oh là là. C'était le magnétoscope. Je rentre pas ce soir, Elle va pas rentrer, la peur d'entrer chez 6 900 francs. Oh, mais c'est rien, me pardonnera, mon mari, une communion hier, aujourd'hui, tous mes émois. Merci Canal+. Elle a dû tomber dans une bouteille, elle a pas remis le bouchon, je crois. Hein. Oh, quel honneur. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais enfin, j'ai demandé à Madame Lacharse de me porter charge. Eh bien, c'est gagné. 3 400 francs, c'est bien. Merci Canal+, et merci Prise Unique. Dites-moi. Les affaires sont les affaires. CEDEX 854, 75 808, Paris Brune. Au revoir. Au revoir. Courir derrière un ballon pour gagner du terrain, c'est un jeu de crétin. Et perdre tous ses ronds,
pour gratter pour rien. C'est un jeu de crétin. Le tirage du loto, tapis vert et Foucault. C'est fait pour les crétins. La collective des crétins vous souhaite bon appétit. Il y en a un qui me plaisait bien, moi c'est dans la rue, il faisait déshabiller les gens, il leur achetait leurs pantalons, il leur achetait leurs... Ça c'est plus récent ça quand même, non? C'est avec Fabrice ça, non? Oui, c'est bien Benoît. C'est il y a pas longtemps ça. Ah si, il y a 9 ans. Bien la refait. Non, attends. Non, après il a fait la classe où tout le monde enlève son pantalon. Même truc. Là aussi, il y a 9 ans, c'est ça? Ouais. J'ai pas vu ce truc là, moi. Oh, bonjour messieurs. Salut, ça va? Vous me connaissez là? Oui, les petits drôles vont recommencer bientôt. Non, oh, bah vous savez, ça va, ça vient, tout ça, ouais, on peut pas savoir. Là, c'était bien comme émission. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier là, cette heure-là? J'ai une résidence secondaire, mais. Dans le quartier là? Non, en Touraine. Ah bon? Ben, oui, pourquoi vous me montrez ça alors? Comment? Bah, je vous achète la petite. Mallette. Non, elle est mignonne? Non, mais c'est sentimental ça. Hein. Je peux pas. C'est un cadeau de ma femme. Alors, quel que soit votre prix, là, vous perdez votre temps. Bah, c'est, ça, je trouve. Mais vous avez raison, dans le fond. Oui. Ça, c'est bien d'avoir des. C'est un cadeau de votre épouse. Oui, d'autant plus que. Bah, oui, bah, c'est normal. Lundi 13 mai, oui. C'est mon 40e anniversaire de fiançailles. Non! Oui, alors elle m'avait dit comme ça. Oui. Et je t'épouserai quand on aura gagné la guerre, le 8 mai. Écoutez. Bah, vous savez qu'il est colon, hein? Mais non, écoutez. Vous savez ce que je lui propose? Je lui propose de lui acheter ses 5 boutons pour 150 francs. C'est pas une affaire, ça? Vous qui connaissez le prix des boutons, c'est pas une affaire? Ça, vous allez voir le coup qu'on va penser à la télé. Dépêchons-nous, je ne tiens plus. Et voilà. Oh, qu'ils sont jolis! Oh là là! Mon Dieu, qu'elle fait ça bien! Oh, qu'elle fait ça bien! Oh là là! Oh! On peut applaudir, mesdames, messieurs, c'est bien. Oh, quelle merveille! Imaginez le prix que j'ai payé pour obtenir ce manteau. Oui. Je crois que c'est 998 francs. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? C'est ça? C'est 998 francs? Mais c'est extraordinaire! Ouais. Alors, madame, vous allez montrer dans votre automobile, puisque vous venez de la gagner. D'accord, merci beaucoup. C'était pas tant, hein? Ah, eh ben, les dents, la gagne. Eh ben, tenez, voilà. Donc on a fait une bonne affaire, il s'en est même pas rendu compte, dit franche, hop là. Quand même extraordinaire le nombre de gens, qu'est-ce qu'il avait là-dedans? Qu'est-ce qu'il avait là? Allez dans le coffre, on verra bien. Allez, 10 francs, hop, trop tard. Allez hop. Non, c'est fini. C'est terminé. 10 francs, on n'en parle plus. Non, c'est fini. C'est fini, ferme le coffre. Ferme le coffre. Vous voyez un petit t-shirt, voilà. Un t-shirt, on ferme le coffre. Je veux pas le savoir. C'est vendu, c'est terminé. Au revoir mon petit Jacques. Allez, à bientôt. Hop, allez, terminé. Au revoir à tous. Allez, hop, l'affaire est faite. Tu sais ce qu'on va dire à nos amis de Canal+, c'est une chose qui est quand même qui est vraie, c'est que tout s'achète, ou presque, mais pas l'amour. Ça ne s'achète pas. Philippe Rizzo! Philippe, qui est l'accusé? Zetoun. Bonne réponse, Philippe, votre choix. Zetoun 1500. En dehors de son métier de cuisinier... Ne laissez même pas le temps de finir. Quel est son passe-temps favori? Répondez maintenant. Dégorger une mirenoufle. Dégorger une mirenoufle. Dégorger une mirenoufle. Confirmation ou infirmation? Deux étoiles. Oui, en dehors de mon métier de cuisinier, mon passe-temps favori, c'est la cuisine. Et oui, on me le reproche souvent, mais je suis un fou de la cuisine, moi. Star. Quiz avec ce soir. N'empêche, c'était précurseur. Ils ont tout inventé. La voix off qui annonçait le nom des candidats. La présentation façon les Oscars hollywoodiens et tout. Tout inventé. Star Quiz. Marc, quel est le prénom des hommes politiques suivants? Est-ce Pierre ou est-ce Jacques? Vous êtes prêt, Marc? Prêt. Top chrono, Mesmer. Jacques. Faux, Jacques Mesmer. Pierre Meignery. Jacques. Il le fait exprès, là. 1500 René. Qui joue le rôle de sa fille dans la piscine? Gérard. Jane Birkin. Oui, votre choix. 2000 René. De qui est-il l'amant dans Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, Gérard? Jeanne Moreau. Oui, revue très récemment sur Canal+. Oui, je l'ai vu. Comment? Je l'ai vu. Très bien. Friard, tout va bien?
ça va. Très ça chic. Va. Là, vous avez mis le smoking. Oui, j'ai mis esprit. Au cas où vous aurez une défaillance, je prendrai votre place. Quoi. Eh ben, c'est sympa, ça. Gérard, vous allez devenir champion avec 25 000 francs, mais comme vous m'avez cassé les pieds, Bordeaux, je vous mets une baigne. Dès là. Dès là. Allez, une petite baigne. D'accord. Voilà. Ça fait rien, ça vaut le coup. Vous imaginez, bah pour 25 000 francs, ça vaut le coup. Pour ça, je m'en prends 10 à la journée. D'accord. Je voudrais faire une annonce. Je peux faire une annonce, moi? Je voudrais faire une annonce. Je cherche un appartement dans Paris. Ça vous ennuie pas, hein? Alors, je cherche un appartement dans Paris. Dans Paris, Paris. Et donc, je voudrais un 3-4 pièces. Et si c'est possible, dans un immeuble ancien. Alors, si vous avez ça, si vous écoutez Star Quiz, je serais ravie parce que c'est vraiment très urgent. Et vous pouvez nous contacter, enfin, contacter l'émission Star Quiz. Et demandez, bah tiens, vous demandez Florence. Voilà, merci Florence. Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Marcel Zanini, 2000. Quelle chanson lui valut le succès, Pierre? Tu veux ou tu veux pas? Ma biche. Votre choix. La chef 1500. Phonétiquement, quel est son cri? Philippe. Bé. Vous pouvez me le refaire? Bé. Non mais mieux que ça. Bé. Et inspiré par les chèvres, Philippe, ça fait peur. Votre choix, Philippe. 2000, Janis Joplin. De quel mouvement était-elle une des figures de proue, Paul? Des lesbiennes. Bravo, Jean-Luc. Vous êtes notre nouveau champion. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Eh bien, ma femme souffre d'une déformation de la cloison nasale, oui. Ce qui lui donne un amas de morve dans la narine. Et comme c'est pas remboursé par la sécurité sociale, bon, on va tenter l'opération. Ah, d'accord. Oui, c'est très gênant. S'il s'agit de quelle narine? La gauche. La narine gauche. Écoutez, on souhaite une très, très bonne opération à votre femme. Et quant à nous, très bonne soirée sur Canal. À très bientôt. Bonjour. Bonjour, Barbara. Voici mes cinq propositions. Marteau Esca, Roger Carrel, Bernard Giraudot, Charlotte de Turckheim, Bernard Métro. Je mets des coudes dans la roue. Non, ça n'est pas le nez de Bernard Giraudot, il a déjà été cité. Est-ce que je pourrais avoir une photo d'étiquette? Mais oui, mais bien sûr. Viens, Sophie, je te montre un petit peu la roue. Oui. Le compteur, le comptoir. C'est elle que vous allez retrouver tous les soirs à 19h, 20h et 20h30 pour la maxi-tête. Moi, je m'en vais. On se retrouvera peut-être ailleurs sur d'autres écrans. Mais je suis sûr que vous êtes en bonne compagnie avec Sophie. Elle est gentille. Je te laisse la maison. On a tout repeint. C'est tout neuf, c'est propre, c'est sec maintenant. Et puis je te laisse avec une maxi-tête de 197 000 francs. Ah, ça va voilà. Mieux. Je t'embrasse, je te passe le relais. Comment vous appelez? Vous êtes très content. Vous appelez comment? Qu'est-ce que vous faites? Et puis en plus, mais non, c'est pas ça. On vous l'a déjà dit. Elle les engueulait un peu, non? Oui. Elle engueulait pas un peu les gens? Le rythme était un peu lent. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, Tom Cruise. Mais non, ça on l'a déjà dit, ça. Oh, il est pénible celui-là. Bon, un autre alors. Vous appelez comment? Ben Robert, elle engueulait les gens. On l'a déjà dit, pardon. On t'en a passé un autre. Ah, oh, ça m'énerve. Bonsoir. La maxi-tête vaut d'ores et déjà 23 400 francs et je tourne la roue d'une main innocente. Pas de commentaires. Hein. Il y a des jaloux ici. Hein. 69 696 plus 9, plus une boîte de cassoulet à gagner peut-être. J'ai quelqu'un au bout du fil, c'est François Saint-Pallion qui nous appelle de Rhône. Non, 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 moi je m'appelle François Saint-Pallion, j'habite Lyon dans le Rhône. C'est où ça? Ah ben c'est dans le Rhône. Gisèle Combe d'Albi dans la Tarn, ou dans le Tarn, je sais pas. Dans le Tarn, c'est beaucoup mieux, il paraît. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on va pas s'étendre là-dessus. Allez-y, François, allez-y avec vos cinq propositions. Hein. Il y a quand même une belle somme à gagner, plus une boîte de cassoulet qui vient de se rajouter dans la cagnotte. Ça va, Sophie? Ça va bien, oui. Oui, oui, mais alors vous êtes gentil de m'écrire parce que ça marche pas par téléphone. Ah, j'adore. Je m'en lasse pas, hein, vraiment. Bon. Je vous écoute, François, allez-y. Vous êtes gentil d'aller vite avec vos cinq propositions parce qu'on a assez perdu de temps comme ça. Marc Touesca, Roger Carrel, Jean-René Gossard, Charlotte de Turckheim et Bernard Métro. Jean-René Gossard, on a bien entendu la même chose? Oui. Pouvez-vous nous répéter le nom? Jean-René Gossard. Jean-René Gossard. Oui. Eh bien, voilà, l'événement est tombé.
Il est 19h, 6 ou 7 minutes et vous avez gagné 202 000 francs. On peut peut-être applaudir là. Ah ouais. Canal Plus, c'est plus. Oui.